Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu voir dans le titre, aujourd'hui, je vais me transformer en Aya Nakamura. Voilà, mais avant ça, je vous laisse avec l'abonné du jour. Je te fais plein de gros bisous et surtout allez vous abonner. Bref, c'est parti, ça c'est la suite de la vidéo. In New York, I'm in the rock. Hiding in my socks. Running from my up. And I shoot that up. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser cette tenue, voilà. Donc faut bien la regarder parce que je vais la reproduire. Bref, je vais le faire comme je peux bien sûr, hein, je dis pas que voilà. Donc tout d'abord, il vous faut une paire de ciseaux, du papier cartonné rouge et un petit scotch avec un feutre. On va commencer par dessiner une flamme, mais sur l'angle de la feuille. Donc ça donne ceci. Voilà, donc il nous en faut deux comme ça, mais la technique c'est d'en faire que sur une feuille. Et ensuite nous allons superposer les deux feuilles pour pouvoir découper et que ça nous le fasse en double. Donc là on prend le ciseau et c'est parti, nous allons découper. Alors là c'est bon, je viens de découper et de finir le découpage. Donc là, nous venons de réaliser le bustier de Aya Nakamura lors de sa prestation. Voilà, donc hop, première étape, validée. Ensuite, nous allons s'attaquer aux hanches. Donc je vous mets un petit rappel de la photo. Donc là, nous allons faire, hop, les hanches, juste ici. Donc pour ça, il nous faut, hop, deux feuilles de papier. Nous allons tracer un ovale et ensuite découper bien sûr toujours sur deux feuilles parce que sa tenue est très symétrique, c'est très futuriste tout ça. Voilà, donc vraiment j'espère que la tenue va super bien rendre parce que j'ai tellement hâte. Ça va être trop drôle et si la tenue elle rend bien je ferai un post Instagram. Donc là nous avons nos deux ronds. Alors, une fois qu'on a nos deux ronds, c'est parti, nous pouvons passer au découpage. Donc, nous allons tirer un trait du centre, hop, donc la moitié. Et on va découper. Oh, merde. C'est quoi? On va le faire un par un, c'est beaucoup mieux, je crois. Entre-temps, j'ai scotché donc les deux flammes, hop, donc du plus petit au plus grand. Voilà, donc j'ai vraiment mis le scotch. Et ensuite, pareil, nous allons prendre, hop, ce cercle. Nous allons en fait le fermer comme ça. En fait, nous allons faire un plot. Vous voyez ou pas? Un plot. Et ensuite, on scotche ici. Alors là, nous allons tout simplement scotcher, mais un tout petit peu. Voilà, juste pour créer cette forme pointue. Ça y est, hop, j'ai tout scotché. Voilà, vous pouvez le voir ici. Donc là, vous voyez que ça dépasse. On va tout simplement, hop, le rattraper. Et là, vous voyez, c'est super net. Donc là, voilà, nous avons nos trois parties du costume, donc de notre belle tenue que Aya portait. Et c'est parti, je vais vous laisser avec l'assemblage. Bla 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 pouki 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 pouki. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, commenter, partager. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.